Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Bon, bah, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on peut être en session publique tout seul avec juste ses amis. Là, on peut voir, je suis en session publique, il y a une vingtaine de joueurs. Donc, bah, c'est pas très compliqué. Vous allez sur le XMB, paramètres, réseau, configurer la connexion Internet. Moi, j'ai choisi LAN parce que je suis en RJ45, personnalisé. Tout en automatique sauf le MTU. Voilà, manuel. Et on va remplacer le 1500 par 600. Voilà, ce qui va nous permettre donc de ralentir un petit peu les paquets et qui fait qu'en fait on va se retrouver tout seul dans une session publique. Donc bah c'est pas très compliqué, hein, c'est même plutôt facile. Donc voilà, c'est fait. Donc du coup, je suis exclu du online pour me retrouver dans le solo. Enfin, exclu. Vu que on a modifié le MTU, du coup, bah, je me retrouve dans le solo. Ce serait plus exact. Donc voilà, on reconnaît, c'est Michael. Donc une fois donc dans le solo, je vais utiliser la roue pour retourner dans le online. Alors ouais, à chaque fois que vous voulez retourner dans le online, passez toujours par la roue. Enfin, tout du moins pour cette manipulation. Voilà, donc la roue, on sélectionne son joueur en ligne et on va donc se retrouver donc dans le online. Et là, on va être tout seul dans une session publique. Donc ouais, j'ai fait des coupures pour avancer un petit peu parce que sinon la vidéo elle serait très longue. Donc voilà. Là, je suis tout seul en session publique. Voilà, session publique et je suis tout seul. Donc maintenant pour jouer tout seul, c'est parfait. Par contre, si je veux ajouter des amis ou jouer avec des amis, on fait start, amis. Et on sélectionne les amis. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi inviter, envoyer une invitation à un jeu. Voilà, ça aura pour but de l'inviter donc dans la session où je suis. Donc voilà, après, faut le temps qu'il accepte. C'est pour ça que j'ai fait un petit montage, enfin, j'ai coupé pour éviter que ça mette trop de temps. Voilà, là, en l'occurrence, on voit qu'il a rejoint. Voilà, donc maintenant il y a moi et mon pote, on est du même clan, en session publique. C'est bien marqué en haut à gauche. Là, on retourne au XMB, paramètres, réseau, configurer, LAN parce que je suis en RJ45. Là, on peut faire facile ou personnalisé. Moi, j'ai fait facile pour remettre les paramètres d'origine, mais on peut faire personnalisé. Automatique, 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 et à la fin, OEMTU, vous mettez 1500 au lieu de 600. Donc vous remettez à la normale, de façon à éviter d'être exclu quelque part. Parce que là, on aurait pu jouer ensemble, mais on n'aurait pas pu jouer très longtemps. On aurait fini par être séparés, et on aurait été tous les deux en session publique, mais séparés. Donc pour continuer à jouer ensemble, il faut le même MTU. Donc là, évidemment, on revient au solo parce que j'ai changé les paramètres pendant le jeu. Et là, on va utiliser la roue. Et c'est à ce moment-là, il faut à chaque fois utiliser la roue. Parce que là, on pourrait être tenté de vouloir rejoindre son pote en utilisant Start, Ami, Rejoindre. Mais j'ai essayé plusieurs fois, je les mettrai à la fin. J'ai essayé plusieurs fois de cette façon-là et ça marche pas. Enfin, j'ai pas réussi. Donc, toujours utiliser la roue pour aller dans le online. Et du online, soit vous invitez, soit vous rejoignez. Mais toujours utiliser la roue. Moi j'ai essayé en faisant en direct, ça marchait pas. Enfin j'ai pas réussi. Donc voilà, là on se retrouve donc dans le online en ayant utilisé la roue. Je vais dans Ami. Et là, je vais le rejoindre. Parce que lui en l'occurrence, je l'ai invité tout à l'heure, donc il garde la session. Il garde la session. Vu que j'étais en session publique tout seul, je l'ai invité pour qu'il aille dans ma session. Moi, je refais mes paramètres pour être à 1500 et maintenant je le rejoins.
toujours en passant par la roue et pas en faisant start, ami, rejoindre. Voilà, donc là maintenant je suis avec un MTU de 1500, je suis en session publique et on est deux. Tout simplement. Donc voilà, là je vais vous faire deux, trois essais pour vous montrer quand on veut rejoindre le online et rejoindre son pote en passant directement par le menu start, ami, sans passer par la roue. Je l'ai fait deux, trois fois et à chaque fois ça n'a pas marché. Donc voilà, je vais dans ami, on voit bien que je suis dans le solo. Et je vais le rejoindre. Enfin, je vais essayer de le rejoindre. Mais on voit bien que je suis dans le solo, c'est Michael. Voilà, on voit qu'il essaye de récupérer les informations. Et au final, il n'a pas réussi à rejoindre. Donc c'est pour ça, à cette étape-là, utilisez la roue pour aller dans le online. Et une fois dans le online, faites start, ami, rejoindre ou inviter, ça dépend à quelle étape vous êtes. Mais dans tous les cas, passez par la roue et pas par le menu start. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas par le menu start. On pourrait gagner une étape en passant par le menu start. Mais j'ai essayé plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Donc après, c'est peut-être moi aussi qui ai fait une mauvaise manip ou je ne sais pas pour X ou Y raison, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous, ça fonctionnera. Voilà, moi en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je vais vous mettre, je crois qu'il y en a encore un des essais que j'ai fait, juste pour vous montrer que voilà, j'ai fait plusieurs essais et que moi ça n'a pas fonctionné. Donc après, libre à vous d'essayer, hein, vous pouvez. Si vous trouvez des solutions, n'hésitez pas à laisser en commentaire d'autres solutions que vous auriez pu trouver. Voilà, bah après j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, vous abonner. Voilà. Donc voilà, après c'est le dernier essai que je fais par le menu start. Après, on voit, je suis dans ma boîte de nuit, en session publique, avec mon pote, et j'ai mon truc de PDG. J'ai oublié comment il s'appelait. Voilà. Donc, nous voilà donc dans la boîte de nuit, session publique. Il y a moi et mon pote. Hop, je vais me mettre en club de motard. Ouais, c'est même pas le PDG, c'est club de motard, je me suis mis. Voilà, club de motard. Et voilà, c'est aussi pour ça que c'est vachement intéressant de pouvoir être soit seul, soit avec des amis en session publique, mais sans tout le monde, parce que c'est compliqué de faire les missions. L'émission boîte de nuit, l'émission complexe et autres. Quand on se retrouve avec tout le monde, c'est compliqué. Alors que là, bah, on est session publique, sans parler des événements, quand il y a des caisses qui tombent ou avec des vêtements collector et tout ça, c'est un peu compliqué quand il y a tout le monde. Là, pour le coup, c'est plutôt facile. À vous de vous organiser avec vos amis pour les caisses et tout ça et les événements. Voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bon game à tous. Allez, salut!